Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et Fireflav et puis une invitée spéciale, voilà, qui s'y connaît fan beaucoup sur Luigi Mansion et même sur Luigi tout court, qui va beaucoup parler de ce jeu, qui est Luigi Mansion, un jeu créé en 2001-2002, enfin qui est arrivé en France en 2001-2002, qui est très beau pour l'époque mais très moche aujourd'hui. Oh. Vous comprendrez sûrement. Vous voyez quand même que Luigi est assez bien modélisé. C'est la seule chose bien modélisée dans le jeu. Sympa. Dans le jeu, on peut choisir des déplacements standard, c'est bien. Mais des déplacements latéraux, c'est nul. Parce que là, il se tourne pas. Mais on se tourne avec le stick C. Voilà, on est obligé d'utiliser le petit stick pour se tourner. Tant que je préfère. Ça fait plus penser un peu au PC, au maniement du PC. Ouais, le PC. C'est un peu de la merde, mais voilà. Ils ont voulu mettre ça. Et ce jeu peut vraiment nous faire penser au film Ghostbusters, sorti dans les années 80. Avec Bill Murray et tout ce qui suit. Voilà. Car on aspire des fantômes avec l'Extoblast 3000, qui est un super aspirateur que notre invité n'a pas encore. Faudrait que tu rentres dans... Comme quoi les Japonais bopissent souvent sur les Amériques. Donc là, on a un fantôme rigolé, du coup il faut descendre. Voilà. Là, on est au début du jeu ou... On est au tout début du jeu. C'est le début. À la fin. Oui, à la fin, on n'arrive pas à ouvrir une porte devant qui est toute... C'est un fantôme qui a avalé une clé. Les effets spéciaux sont très beaux. Ça rend mieux sur une petite télé. Et vous voyez quand même, vous voyez les ombres, quand il y a un éclair là, vous voyez toutes les ombres de tous les meubles et tout. Enfin, vous voyez les effets quand les effets de lumière sont les effets de lumière sont super bien réalisés. Pour l'époque, ça doit être une référence. C'était la force de la GameCube à l'époque, les effets de lumière. Aujourd'hui, Nintendo n'a plus que des faiblesses malheureusement. Hélas. À part Nintendo Land. Et Luigi Mansion 2 sur 3DS. Je connais pas. Mais je pense pas qu'on va vous faire bientôt des vidéos de 3DS, ça sera peut-être compliqué. On dirait que Luigi a la Parkinson. Mais en fait, c'est pas trop tôt. Donc là, c'est le professeur. Il n'y a plus qu'à mettre la musique. Donc il faut que la catastrophe m'essaye d'espionner un fantôme avec l'Ectoblast 3000, donc un espèce d'aspirateur de son arme. Voilà. Car le professeur catastrophe lui arrive très souvent des catastrophes, mais en même temps, il arrive à faire des bonnes choses, comme cet Ectoblast 3000. Comme vous pouvez le voir, il reste encore une dent de lait, qui reste un mystère. Voilà. Cette maison semble attirer plus de fantômes chaque jour. Mais que fait un jeune comme toi dans un coin comme ça? Je pense que Luigi se casserait vite quand il saura qu'il n'y aura pas de chien. Oh, c'est vraiment affreux, oui. Si, il y a des toilettes dedans. Très bien, mon gars, allez, suis-moi. Oh, yalo! Tu es Luigi? Waouh! Nos chemins devaient se croiser, je dois dire. Que c'est une chance! Où sommes-nous? Ce charmant appartement est mon lieu de travail, c'est ici! Non mais Luigi, il parle pas! Que moi, le professeur catastrophe, je mène mes études sur les fantômes! C'est mon labo quoi! Tu as gagné ce manoir dans un concours auquel tu n'as même pas participé? Plutôt bizarre! Bon, on va peut-être passer quelques dialogues. Tu crois donc que cette propriété existait les biens? Plutôt étrange! Si on montrait le jeu un peu. Ouais, enfin il dit que le manoir il est apparu il y a pas longtemps, c'est les fantômes qui l'ont pris. Et là on est dans son laboratoire, voilà. Et il a vu passer, il dit aussi qu'il a vu passer quelqu'un qui lui ressemble, sauf qu'il avait une casquette rouge avec un M dessus, donc c'est Mario. Voilà, bien sûr. Et là ça nous dit les commandes, et c'est la première fois qu'on va se friter à des fantômes. Et voici le magnifique mur. Oui, bah ça choque tout le temps Fireflav. Fireflav, c'est un jeu de 2001-2002. Écoutez, vous pouvez me pincer pour que je me réveille? Non. Vous avez un PC qui peut faire
même si on peut pas le voir nous. Je sais pas si, vous pouvez le voir. Si là on peut le voir. C'est en référence à la Game Boy Color. Oui bien sûr, la Game Boy Color hein, qui était. Donc pour choper les fantômes, faut les éclairer et après on. Game Boy Color je crois qu'il a été créé dans les années 97, peut-être un truc comme ça. Donc il y avait la Game Boy Advance pas longtemps après. Même je crois qu'elle était déjà sortie quand ce jeu était sorti. Bon, c'est un petit jeu de mots sympathique, hein, Game Boy Horror. En plus, vous pouvez voir que Horror, c'est en couleur. Même que le professeur se joue à la Kung Fu Panda. Ouais, voilà. Pendant tout le jeu, à mon avis. Bah, à chaque fois qu'il va nous parler, hein, il est toujours foufou. Hein. C'est vraiment le professeur enfin, d'allié dans ce cas. Un peu moins fou que mon singe. La chasse aux fantômes requiert l'utilisation d'une torche en conjonction avec un Exploblast 3000. Ça ce que j'espère, c'est que l'entraînement dure pas trop longtemps et qu'on ouais, va vite passer. 7, tu mets pas, Luigi. Repose-toi. Aller à la galerie ou non, merci. Non, merci. La galerie, c'est pour voir bah, tous les boss qu'on a affrontés. En fait, on va affronter des fantômes et lui, il a une machine qui transforme les fantômes qu'on a du coup dans l'aspirateur. Ben, ça va être en tableau. Et du coup, c'est une exposition. Quoi. Après. Au revoir. Oui, les éclairs. Vous voyez qu'il est un peu trop bu, monsieur, hein, avec son gros nez rouge. Et on voit que professeur Catastrophe, c'est un gros trouillard qui laisse aller une bidon dans la main et lui reste dans sa gamme. C'est un mal, il est beaucoup plus jeune. Oui. Faut savoir laisser l'arrière en jeune, c'est vrai. Voilà. On voit Todd, on va peut-être passer le dialogue, on n'a pas besoin de lui parler. Mais si, pour sauvegarder. Todd sert à sauvegarder. Bon, voilà, il dit que c'est la princesse Peach qui l'a envoyé parce que Mario est venu visiter le manoir. C'est vraiment un gros mytho. C'est lui qui dit le résumé du jeu, quoi, en gros. Avec le professeur Catastrophe. Bon, vous voyez quand même que le jeu est bien pixelisé, ça fait un peu peur. Mais... C'est vraiment une marque de fabrique chez Nintendo. Oh. Donc, dans c'est... ce jeu-là, on peut enlever ça par exemple. Bah, c'était encore pire sur la PS2, hein. Faut savoir. Quoi ? Ah, ça c'était un petit jeu pour les fantômes. Vous savez comment on surnomme cette maison ? On la sûrement nomme la maison du pixel. Non, ah. Le manoir. Ouais, la petite histoire. Donc. Voilà. Donc, Luigi. C'est un jeu de 2001, quoi. Regarde une photo Facebook. Avec la Game Boy Horror, il y a une fonction comme ça où si on touche des objets, par exemple. Bon, par contre, si vous voulez jouer à un jeu de GameCube comme ça, de l'un des premiers jeux de GameCube, ne jouez surtout pas sur un grand écran Sony. Non. Et Luigi fait un commentaire souvent quand on touche des choses. Par exemple, un autre chez Toad, je n'avais jamais remarqué que ces points rouges faisaient joli au sommet. Voilà, c'est inutile. C'est inutile, mais fois, c'est marrant. Des fois, c'est utile pour battre des boss. On peut cliquer sur un. Pour comprendre leurs points faibles. Ouais, en cliquant sur leur cœur. Donc, et si on clique sur un miroir, n'importe lequel, ça va tourner. Tourner. Et on va arriver ici, dans cette pièce. Si on n'a pas envie de se faire chier à descendre au réchauffé, quand on est bah, tout en haut, au deuxième étage, je sais pas où. Et il faut fouiller les objets pour récolter de l'argent. Ça nous sert à la fin du jeu. Voilà. Fireflame, vous puez de la bouche. Et ça sert à quoi dans la fin du jeu? Et bah à la fin du jeu, l'argent que l'a récolté, ça fait une maison de Luigi. À rien, oh. Ah, bah si, parce que ça, t'as des grades. Ah, à la fin, on a différents grades, et en fonction du grade, plus le grade est élevé, et plus la maison de Luigi à la fin est belle à regarder. Et est plus grande. Et l'invité a déjà eu le meilleur grade, je pense. Avec une petite riche là. Mais voilà, avec une action replay. Donc là, vous voyez par exemple, là on clique et ça nous dit. Quelle image affreuse, mais la bougie à côté a l'air d'être importante. Enfin, donc, en gros, on a déduit qu'il faut souffler les bougies. Qui a éteint mes bougies? Toi, monsieur Touvert? Eh bien, les pièces sombres sont dangereuses par ici. Il aime les ténèbres et ils vont t'avoir. C'est ton tour. Comme pour chapeau rouge. Comme pour chapeau rouge avant toi. Puisses-tu errer dans les ténèbres pour toujours? As-tu peur du noir? Petit homme, un goût. Ouais,
très bien les voix Firefly. Alors moi j'ai une idée sympathique, c'est qu'on appelle notre invité par un prénom pour que ce soit un peu plus convivial. On l'appellera Caroline pour être sûr que vous ne la reverrez jamais. Mrs. L. Ouais. Pour montrer son... Ça vit couler. Alors écoutez Caroline, vous jouez le jeu ou... Je pense qu'on arrêtera tout de suite. Avant, allez, c'était Mélanie, maintenant Caroline. C'est une autre histoire. Comme on peut voir, elle a déjà perdu des vies. C'est impressionnant pour une professionnelle. Surtout qu'on est en facile, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, en plus. Parce qu'on est dans le manoir normal, que dans le manoir caché, bien sûr, parce qu'il y a le manoir caché après quand on finit le jeu une première fois. Et le château est inversé, tous les trucs sont inversés, on voit comme si on voyait dans un miroir, quoi. Et dans la Game Boy Horror, on peut voir donc tout le plan. Voilà. Donc là, on voit le toit. C'est très, très intéressant. Ouais. C'est là qu'on va se confronter au boss final. Le deuxième étage. Là, on voit la petite tête de Luigi, c'est-à-dire qu'il est là. Et on a entendu le petit rot de Firefly. Sexy bitch. Là, c'est le rez-de-chaussée. Et là, c'est le sous-sol. Voilà. Voilà tout, c'est passionnant. Ouais. Elle a plein de billets pour que la maison à la fin de Luigi soit mieux. Pour pouvoir beaucoup cotiser. Et souvent quand les salles sont sombres comme ça, ça veut dire qu'il y a pas mal de fantômes. Et pendant toute l'aventure, il y aura plusieurs fantômes, hein. Il n'y aura pas que l'orange, là vous allez voir une nouveauté. Les fantômes roses. Voilà ceux-là. Ils ont 20 points de vie. Et après vous verrez les fantômes verts avec leurs bananes. Ça ressemble à Donkey Kong, mais c'est pas Donkey Kong. J'ai une question pour Caroline. Caroline, combien y a-t-il de boss à battre dans Luigi Mansion ? Une trentaine à peu près. D'accord. Bah, vous pouvez regarder dans les galeries. Avec Z. Bon, pour l'instant, il vaut mieux combattre les fantômes et pas perdre trop de vie. Alors, 1, 2, 3. 6 x 3, 18, 18 plus 4. Voilà. 22 fantômes. 22 boss. Enfin, pas boss. Les fantômes. Ça compte pas les fantômes. Oui. Alors, comme sachant ça, on dirait que le dernier boss. Bon, je vais un peu vous spoiler, même si c'est pas de boss. Spoil ou pas ? Spoil, indice de spoil 0, ok ? Ça marche. T'as envie de jouer une question, comme ça paraît un peu répétitif, mais est-ce qu'il y a d'autres attaques que l'aspirateur Non, je pense pas que Luigi puisse faire du kung fu. Peut-être dans Super Smash Bros, mais dans les bananes. Un combo ou un. Hadouken! Unarta Narta! Oh, Shunk! Les fantômes bananes! Voilà, les fantômes bananes. C'est les frères de Donkey Kong. Ils sont morts hein, dans un tragique accident. Donc maintenant, ce sont des fantômes. Et ce qui est joli aussi, c'est de voir Luigi dans le miroir quand il se dépose dans la crosse. C'est assez joli. Baston! Voilà. Faut tout de suite aspirer ces bananes, sinon on perd 10 PV si on glisse dessus. 40, ça c'est dommage, j'ai sacré les mini-boss. Non, les boss c'est 100 PV. J'ai dit mini-boss. Ouais. Et encore, les boss sont 100 PV, c'est des ce qui est pénible par contre dans celui-là, c'est que quand il y a un fantôme qui apparaît, il est déjà peur. Donc quand il y en a un deuxième qui apparaît, des fois, t'as le fantôme qui t'attaque sans que tu puisses le faire. Parlons aussi des boues, parce que je sais pas si on aura le temps de montrer ça. Les boues, comme vous savez tous, ce sont des fantômes en boule blanche, avec leur petit sourire diabolique. Et là, il y en aura, là, des boues. Je crois qu'il faut en prendre 45, un truc du genre. Et il y a des fantômes aussi, là, des fois, qui vous donnent de l'argent. Je crois qu'il est là. Peut-être. Un fantôme bleu. Voilà. C'est un fantôme bleu qui fait Speedy Gonzales. Ah, voilà celui-là. Vite. Et voilà, si on l'attrape, il y a plein de boutons et on est content. Et on aspire tout, bien sûr. Et donc, pour revenir au sujet des fantômes boue, eh bien en fait, il faut attraper pas mal de fantômes boue pour pouvoir affronter le boss final à la fin. C'est pour ça. Donc, je parle un peu des fantômes boue car c'est.
chose primordiale dans Luigi Mansion. Ah, la classe. C'est surtout par là que l'on voyait le plus souvent les bouts. Et là, on va voir un Toad. Il y aura des Toads un peu partout dans le manoir. C'est des points de sauvegarde, quoi. Ouais. Oui, c'est des points de sauvegarde. Ça remplace, tu sais, ton espèce de symbole tout moche dans Silent Hill Homecoming. Tout moche Non, c'est pas tout moche, c'est très beau. Au moins, c'est pas pixelisé. Oh, voilà. Oui, mais par contre, les graphismes. C'est pas quelque chose d'incroyable. Ouais, mais il y a un vrai scénario qui fait peur, qui vous prend aux tripes et qui... Oui, avec le petit frère Josh qui pisse au lit et voilà. Ça vous fait tellement d'effets que vous êtes obligé d'aller pisser toutes les 10 minutes. Vraiment, vous avez peur. Il y a tellement de tension dans le jeu. Ah, voilà. Alors que là... Bon, c'est un jeu Nintendo. C'est très bien. C'est un jeu Nintendo. Il en faut pour tous les goûts. Pour les esprits simples, pour les esprits compliqués aussi. Puis de toute façon, tous les jeux, il y a une ville d'or, c'est des super jeux. Il n'y en a eu que deux. Bah non. Non, les Mario et Luigi, bien sûr. Bon là, il nous explique qu'il y a des boss, des fantômes plus forts. Remarquez l'ombre de la jarre qui est pixelisée. En fait, ça dit que... Ah ouais, tout à fait. En fait, le professeur Catastrophe, il dit oui, donc là, Luigi, tu vas rencontrer des fantômes, il faudra pas juste les éclairer. Mais il y a des portes piégées aussi. Oui, ça c'est une fausse porte, mais si je la prends, je vais me réclamer, donc j'ai pas trop envie. Je dirais que moi, Luigi, il faudra qu'il éteigne sa lampe, autrement il va se faire repérer. Regardez par exemple. Ah oui, c'est dans Silent Hill ça. Là, il y a un fantôme et... Putain de référence à Silent Hill. Ah. Là, il y a un fantôme et si on l'éclaire, il prend la tête comme ça. Donc, on regarde. Et... Bah, c'est pas un fantôme. Oh oh oh, vas-y, essaie de me trouver. Je te vois et toi, tu ne... Ne vois pas. Oh oh oh. Enfin bref, là, ça dit rien, mais il faut faire ça. Et il baille. Au bout d'un moment, il baille et c'est à ce moment-là qu'il n'est pas concentré pour se cacher, donc voilà. Donc on peut l'avoir avec la lampe. Ça, c'est un boss. Et remarquez, j'ai jamais dit encore, mais que pour avoir les fantômes, il ne faut pas juste aspirer, il faut d'abord les éclairer. Ah, c'est même... Là, les perles, c'est encore un truc pour devenir encore plus riche. Pour avoir une meilleure baraque. Et dans la partie manoir caché, les boss sont plus simples à aspirer. Leur PV est définitivement vite. Par contre, après, les pièces où il y a des simples fantômes, comme on a vu avant, et bah, il y en a beaucoup plus. Les fantômes, il y en a des plus durs. Une petite souris. Où est-ce qu'il faut y aller? Il faut aller là. Ouais, je sais. De l'extérieur, on comprend pas qu'il y a autant de pièces. Même moi, je connais par cœur aussi ce jeu. Enfin, quand même un peu moins donc là, bien. Elle est coiffe, enfin bref. Elle coiffe, elle fait un prix de beauté. Elle est toute contente. Mon dieu, où est l'inspiration? Elle est coiffée, quoi, à cause des feuilles. Genre. Bah ouais, ça la déco, c'est très grave, hein, pour une lady. C'est très grave pour une lady, hein. Comme notre invitée Caroline. Caroline, c'est très bien qu'il ne faut pas avoir. Et elle a pas de pitié pour les fantômes. Surtout qu'après on va combattre un bébé. Ah bon? Ouais, il s'appelle Oliver en plus. Oui. Oliver. C'est vraiment morbide. Fixé. Vous allez voir moi tout petit. Oh, mais en vrai, je vais tuer mon frère quoi. Voilà. Voilà, voilà, la clé pour Oliver. La chambre du maître. La Game Boy Horror est vraiment essentielle pour avancer dans le jeu, comme vous le voyez. Sauf si vous connaissez. Et là, on voit qu'il y a deux portes de ce côté, alors que vous allez voir quand on sort, il y en a quatre. Et on voit le taux de tout au loin. C'est donc, on voit que c'est des fausses portes. Une grande distance d'affichage. Wow. On voit que c'est des fausses portes aussi parce que, enfin, il n'y a pas le petit tapis. Attention, souris. Il n'y a pas le petit tapis là-dedans. Voilà. Très important d'aspirer le sourire. Et les chauves-souris avec. Ah tiens, petit cœur. Ah là, c'est un gros cœur. De 50. Alors que dans le manoir caché, c'est un petit cœur et encore il apparaît pas tout le temps. Ouais, c'est horrible. C'est peut-être la bébé. C'est pour ça que le manoir caché est si difficile. Parce que les fantômes sont plus forts. Et il faut faire bouger le truc pour les nerfs.
et en plus il y a beaucoup moins de cœurs. Oliver, tu pleures. Bon, là au tout début, on savait pas comment, comment faire la première fois qu'on a fait le jeu. Tu veux jouer avec moi? Voilà, une ligne de dialogue très longue. Nous sommes à 20 minutes 40 pour faire la Ah, arrête de me taper, Oliver! Pas plus de 30 minutes, hein. Oui. Vraiment, on risque de s'emmurer sur la manette. Pourquoi tu fais le ballon? Alors, comment choper le ballon? C'est très difficile. Alors, c'est le mystère de la vie. Pour choper le ballon, il faut appuyer sur R pour l'aspirer et L pour l'expirer pour que le ballon soit balancé. Ouais, mais je suis habitué à Luigi's Mansion 2, du coup, bah, à chaque fois que je dis, je relâche R. Parce que notre invitée Caroline est rendue à peu près à 100 heures de jeu de Luigi Mansion 2. Voilà, elle veut qu'on soit minuscule. Soit tout petit, tout petit. Maintenant, nous, nous sommes minuscules et à côté, le bébé non, est géant. Dans son lit. C'est ça les boss en fait. Là, lui, c'est vraiment un boss. Et comme Oliver Pesma le disait, Caroline est arrivée à 100 heures de jeu et malheureusement, elle n'a toujours pas acheté la Gold Edition de Luigi Mansion. Hein, elle a quand même acheté. Qui est disponible qu'au Japon. Ouais, d'accord. C'est quoi ce truc? Gold Edition, il y a des jeux où il y a des Gold Edition, c'est en gros, il y a plusieurs accessoires avec le jeu. Les en extensions, gros. Quoi. Les extensions, ouais. Ouais. Mais bon, bon, bof. C'est comme ça que j'ai eu ma petite manette dorée, là. Et pour GoldenEye. Un Fireflat. Pour la manette Wii. Et sur Wii, il existe une manette. Et une manette Mario aussi, mais bon. C'est sur Wii ou plutôt? Non, sur Wii. C'est pas les Wii U Game de Pro là, je sais pas. Je vois qu'il a pas eu cet été de premier temps. Oh là là, le bébé est surexcité. Il a écrit, c'est pas content. Ça sent vraiment pas ce qu'il a fait. Vous voyez que les animations. Vous voyez que les animations sont quand même bien. Alors, bien dans le manoir caché, il va beaucoup plus vite faire son petit tour. Voilà, et les attaques qu'il fait, elles sont plus complexes. Alors ça, est-ce qu'on peut le considérer comme un boss? Un vrai boss? Bah, oui, mais c'est un boss du début, en fait, du coup. C'est le premier boss, c'est comme le premier boss de Mario Sunshine, qui est ultra simple, on le bat en 3 secondes, mais c'est qu'un boss. Et on va attendre le ballon. C'est assez inventif hein, comme concept. Lancer un ballon pour pouvoir l'avoir. Contrer l'aura qui dégage. Oh non, l'aura de sa défense. Voilà. L'aura qui dégage. De vous parlez autour de lui. Son Kai, comme dans Dragon Ball Z. Le Boudou Kai. Boudou Kai. C'est un jeu la bande. C'est un jeu de Dragon Ball Z. Le talent incontesté de Caroline. Voilà. Le gros blanc. Ouais, le gros blanc. C'était très bien. Parce que là, je pense qu'on a vraiment dit pas mal de choses, donc on va bientôt vous quitter. Avec cette fin magnifique de Luigi. On va donner des notes. Graphiquement, graphiquement sur 20 bah, 20 sur 20 pour de la GameCube, c'est pas non plus incroyable, mais on était au tout début donc c'est vrai voilà. Que c'est... Caroline est un peu marseillaise, on va vous le dire avant. Donc 20 sur 20, c'est pas du tout 20 sur 20, mais oui. Un bon 17 sur 20. Un bon 17 sur 20. Après, au niveau de la jouabilité, c'est un peu répétitif, mais c'est quand même innovant. La ouais, bah 16 sur 20, 17. 16 sur 20. 16 sur 20. Ouais. Pourquoi? Pour la jouabilité? Tu te la fermes pour l'instant. Non, je pour la bande-son, très très bonne bande-son. Souvent on entend des remixes de la musique de Luigi Mansion. Et par exemple, quand on est dans le noir, on entend la musique en plus fort. Il y a plus d'instruments, c'est plus orchestral. Pour moi, ça mérite un 19 quand même, la bande-son. Que par contre, quand il y a une pièce qui est allumée. Et bah la musique, il y a moins d'instruments qui jouent et c'est différent. Et donc la bande-son est quand même pas mal. Et la musique principale est très bonne.
Moi je dirais 19 sur 20 quand même. Voilà. Et l'inois c'est quelque chose à voir, je ne sais plus. La durée de vie. La durée de vie, très important. Très important. C'est pas non plus un jeu très très long, je pense qu'on finit en 4 heures ou 5 heures. Ah mais la première fois qu'on le fait, il est long parce qu'il y a des énigmes. Oui. Mais après quand on le refait, c'est vrai qu'il y a... Bon, c'est un jeu, au niveau de durée de vie, moi je dirais 14 sur 20. Hein. Voilà, mais on passe quand même un très bon moment... Dans Luigi's Mansion. Voilà. Néanmoins, la durée de vie est courte. Et là, on va voir la machine qui transforme les fantômes en tableau. Voilà. Ce jeu est en gros pour patienter l'arrivée du prochain Mario en 3D sur ouais. GameCube. Sunshine. Mais c'est quand même un très bon jeu, et ouais. Comme c'est un très bon jeu, bah, ils ont fait une suite. Il sera donné par Caroline, sans excessif. 20 sur 20. Ah, la moyenne globale. Général. 18. 18 sur 20 pour très ce bonne moyenne. Munchun, qui a dû être une surprise. Hein. Ça devait pas être un... C'était la toute première fois que Luigi était le héros, le personnage principal. Le meilleur héros. Il avait l'habitude d'être bouche-trou, mais maintenant, il est passé devant. Non, pas bouche-trou, jour 2. C'est assez impressionnant. Regardez Luigi Clash Mario, vous allez voir. Et pour la première fois dans ce jeu-là, c'est Luigi qui va sauver son frère Mario, à la fin. Et là, on voit tous les fantômes qu'on a capturés dans ce niveau. Et le fric aussi, très important. Car à chaque fois qu'on bat un fantôme, ça fait comme si on venait de finir un niveau. Hein. Ça fait ça, quoi. En vrai, ce qui est difficile à comprendre dans ce jeu au niveau du scénario, c'est que Luigi sauve Mario, mais oui. Pendant que Mario n'était pas là, Luigi a couché avec Peach. Bon, ça ne regarde pas, mais on préfère vous le dire pour les enfants en bas âge qui joueraient à Luigi Mansion. N'importe quoi. Alors, on va se quitter sur un mot d'Oliver Plasman. Non, d'abord, Fireflame, arrêtez ces blagues stupides. Merci. Alors, sur ce, à la revoyure pour de nouvelles aventures avec Oliver Plasma. On the Firefly. Et merci à Caroline de sa participation.